Shalom, bienvenue, que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Je suis votre sœur Avril. J'ai été rebaptisée ainsi par notre Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité et vivant. Amen. Et j'aimerais partager en témoignage pour sa gloire un rêve qu'il m'a donné le 29 août 2022. Ce matin-là, après avoir adoré mon Seigneur Jésus-Christ, et après 6 heures du matin, j'ai été me remettre au lit. Et le Seigneur m'a donné un rêve qui ne cessait de parler des choses de Dieu, mais j'ai eu peine à me souvenir de toutes choses, donc j'en ai écrit qu'une partie. J'étais dans un lieu où il y avait un ascenseur, et les boutons de cet ascenseur, c'était des pierres comme des talismans. Elles étaient noires, et dessus, il y avait des symboles en rapport avec les histoires bibliques, comme Adam et Ève, l'arche de Noé, etc. Quand on appuyait dessus, elles activaient une épreuve. Il y avait là une guerrière avec moi, et je crois que c'était mon nouveau moi, et elle combattait et n'avait pas peur. Moi, j'avais peur. Elle a combattu un démon faune lorsqu'elle a activé une de ses pierres, et moi, j'ai été me cacher. Ensuite, la guerrière a appuyé sur une autre pierre et l'épreuve était de s'envoler le plus rapidement possible au ciel, car des œufs de serpent ou de je ne sais quoi sont sortis de terre et sont devenus géants. Ils étaient tellement rapides qu'on ne pouvait pas les fuir et les toucher, c'était la mort assurée. Ils grossissaient tellement vite qu'ils remplissaient toute la place. Pour les vaincre, il fallait se cacher dans le petit espace au milieu des 3 œufs. Et c'est ce que j'ai fait avec le Seigneur Jésus-Christ qui m'a dit de faire ça. Puis ces œufs géants se sont rapetissés et calmés et sont redescendus dans le monde. Ils nous ont déposés dans une rue, le Seigneur Jésus-Christ et moi. Dans cette rue, il y avait 2 maisons qui se faisaient face l'une et l'autre. L'une était petite et n'avait pas de terrain. Par contre, elle semblait équipée contre la pluie, les vents, etc. Une grande vitre, roulante, épaisse, faisait l'entrée de cette maison. Elle avait un tout petit balcon et elle avait l'air vide et inhabitée. Quant à l'autre, elle avait un grand terrain, mais elle avait l'air vieille et ses volets en fer forgé étaient grands ouverts, personne ne devait les fermer. Elle avait l'air habitée, mais beaucoup moins forte que l'autre. Les murs étaient craquelés, c'est une maison qui avait vécu. Si la pluie, les torrents, les vents se seraient abattus contre cette maison, elle aurait connu la ruine. Sur le grand terrain, il y avait des enfants qui jouaient. La petite maison que je voyais qui était bien sécurisée, c'est moi, Avril, dans le spirituel. C'est la nouvelle personne que je suis en Christ. Mon Seigneur, mon Dieu, comme pour l'ascenseur, m'élève, m'émonde par des épreuves jusqu'à ce que j'entre au ciel. Il m'assiste dans mon combat spirituel et je mets en pratique ses bons conseils pour pouvoir triompher de mes ennemis spirituels et des épreuves qu'il permet que j'ai. Cette petite maison n'est pas encore habitée, donc c'est ma nouvelle demeure, mon nouveau corps en Christ. Il est au ciel, mais il n'est pas habité. Elle n'a pas de terrain, cette petite maison, parce que mon nouveau corps, il fait partie de la nouvelle terre, et la nouvelle terre n'est pas encore là. Ça, c'est l'ancien monde qui va passer, qui va aller à la perdition. Il n'y a que quand Christ va se glorifier, que je serai glorifiée avec lui, et que la nouvelle Jérusalem descendra du ciel, prendre possession du nouveau monde selon la part que Christ réserve à chacun. La vitre que je voyais épaisse, c'est que grâce aux épreuves de Christ, il m'a rendue forte face aux épreuves dans ce monde ou face à l'ennemi quand il me tente et m'éprouve. Les vents, les torrents, la pluie sont des épreuves dans la parabole des 2 maisons.
Et il n'y a qu'avec la force de Christ, quand on s'appuie sur le roc Christ, qu'on peut tout surmonter, tout le mal par le bien. L'autre maison en face, qui avait les murs craquelés, des vieux volets en fer forgé, qui avait bien vécu, c'est mon ancien moi. Les volets étaient ouverts parce que ben, j'ai répondu à l'appel de Jésus-Christ et je ne dors pas spirituellement. Donc personne ne fermait les volets de cette maison. Elle avait un grand terrain parce qu'elle est dans le monde et elle y a vécu pendant longtemps. Dans ce terrain, il y avait des enfants qui jouaient. Je suis au milieu des enfants de Dieu et j'ai moi-même des enfants. Mais cette maison, donc mon ancien moi, n'était pas bâtie sur le Christ. Ces anciennes fondations, ces murs craquelés, tout ça, étaient bâtis sur ce monde, sur les parents que j'ai eus, sur tout ce que j'ai appris dans cette vie, charnelle et mondaine. Cette maison n'aurait pas pu résister à la pluie, au torrent, au vent, qui sont des épreuves de Dieu. Elle n'aurait pas pu être émondée. Elle aurait tombé en ruine. Cette maison, donc mon ancien moi, était bâtie sur le sable. Jésus-Christ, lui, est plus qu'une maison. Il est le royaume des cieux. Il a parlé souvent de lui étant le royaume des cieux. Voilà que le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est ce qu'il disait aux gens qu'il rencontrait quand il prêchait publiquement. Amen. Donc Jésus-Christ a beaucoup plus de valeur qu'une maison. Il est un royaume. Amen. Je rends grâce à Jésus parce que ce rêve m'a fortifié et m'a permis de me rendre compte que de mettre en pratique ce que me dit Christ me fait faire l'acquisition d'une nouvelle vie dans les lieux célestes auprès de lui, d'un nouveau corps, et je me rends compte que sans lui, ben, on n'est rien, on peut rien faire. Amen.